Yo tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série de l'aventure des trois fermes. Les amis, aujourd'hui grosse vidéo parce qu'on va devoir s'acheter énormément de matos. Et en plus on a un champ à s'acheter avant que les autres nous le piquent, les amis. J'espère que ça va vous plaire, et bien, écoutez on est parti juste après l'intro. Donc les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Pour cette vidéo je suis accompagné de Mario, Link, Axel, LSC, Mika et Jérémy, salut. Salut. Comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors les amis, on est encore en plein dans le défi des bots. 200 bots dans Ribbonnet encore à faire. On approche vraiment de la fin. Donc ma ferme et celle de Damien, on est vraiment très proche de la fin. Est-ce que vous savez vous c'est que vous en êtes au niveau bot? On en est aux alentours des 160 bots. Ok, ok. Donc moi j'ai compté, on est exactement à 129 bots, eux 160. Et Jérémy, du coup, votre ferme, elle est à combien de bots? Ben nous, on est loin derrière, on est à peu près 60 et quelques bots. On en a fait 10. Ok. Non, d'accord, ok, ça marche. Bon, écoutez, on va essayer de faire comme on peut, on va essayer de se débrouiller, voir qui va gagner. Je rappelle vite fait, du coup, ce qu'on gagne, ce qu'on perd. Donc premier gagne un tracteur, une ancileuse ou une moisse batte. Le deuxième, c'est un animaux. Et le troisième, un petit champ. Voilà. Bon, les amis, on est parti. On se retrouve à la fin pour débriefer de tout ce qu'on a fait. Ok, donc c'est parti, je suis du coup avec Mika. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on s'était pas vu, enfin qu'on n'a pas tourné 2-3 femmes ensemble. Eh oui, oui, ça fait un petit moment, mais ça y est, je suis revenu. Ça y est, du coup, les go. Bon, alors, du coup, les amis, on a, il faut, directement qu'on se grouille à faire le défi de bot. Donc, du coup, Mika, direct, tu peux commencer directement à presser. Donc là, sur ce champ-là, on ira s'acheter des nouvelles moissonneuses, on ira s'acheter un nouveau tracteur, enfin deux nouveaux tracteurs, vous allez voir, ça va vraiment être sympa. Peut-être même un transborder et un camion, enfin une grosse benne pour un camion, vous allez voir. Alors, ce que j'ai fait un petit peu avant de commencer à tourner, parce que sinon, ça avance pas, c'est que j'ai, en fait, j'ai suivi vos conseils, vous avez dit, les amis, qu'il fallait que je ramène un seul andin, enfin, en gros, plusieurs rendez en un seul pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc du coup, bah, mec, c'est parti Mika, tu peux commencer à presser. Je sais pas si t'as déjà utilisé la presse, mais en gros, faut que tu enlèves l'arrière. Enfin bref, tu te démerdes, tu fais ça. Moi, du coup, je vais... bah écoutez, alors, je sais pas du tout si on aura assez de bottes, mais à mon avis, il va falloir qu'on s'achète la machine. Alors attends, c'est laquelle? C'est un faucheuse. On va la louer, mais du coup, il faut qu'on déloue ce qui nous sert à rien, parce que c'est deux locations autorisées. Donc soit, en fait, on va délouer. Donc l'andainer, on le déloue. Et à la place, on va louer la grosse machine pour combien? 19 000 euros. Donc déjà ça, on va le faire direct, les amis. Ok, on est go. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours. L'épisode d'avant, on a fait 4000 likes. Je compte sur vous pour faire plus. Faut qu'on fasse plus de 4000 likes, les gars. Je compte sur vous. Et voilà. Alors, il va falloir qu'on s'achète des nouveaux champs aussi avant que les autres nous les prennent. Je comptais. Alors, vous m'avez dit qu'il fallait que j'échange le champ numéro. Du coup, c'est ouais, le numéro 18 avec eux, mais ils sont pas du tout chauds. Ils veulent que je le vende. Mais en vrai, si je le vends, ce sera 180 000 euros. Mais moi, je comptais m'acheter soit le 7, soit le 6. Parce que je compte m'acheter. Je pense que c'est une bonne idée, Mika. Mais, toi, du coup, tu n'étais pas trop dans la ferme, donc tu peux peut-être pas trop savoir. Mais nous on a des bennes, mais c'est un petit peu là. Enfin, les bennes c'est bien sympa. Attends, on veut juste mettre que ça en den. Comment on fait? Andin large? Non. Contrôle Y, je crois que c'est ça. Et là ça fait andin. Ok. En vrai, on va gagner tellement de temps à faire ça. Donc là, on va mettre l'ouvrier juste pour qu'il se démerde. Il va faire. Ça marche pas. Ah, l'ouvrier peut pas marcher. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Non, je crois que l'ouvrier il marche pas avec cette machine. Ah ouais, t'es sûr? Oh non, on fait chier. Oui. Non, je voulais que ça marche. Mais je crois parce que je suis pas totalement dans le champ. Pourquoi c'est. Attends, oui, d'accord. Le serveur est en train de bugger. Il y a tellement de gens qui fauchent, qui pressent, qui font des bots. Donc, attends, je vais faire au moins un tour et après je verrai si ça marche. Tu vois, tu arrives au niveau des bots. C'est bon, Mika? Ouais, c'est bon, impeccable. Ou ça. Parce qu'en fait, c'est un peu long. Faut enlever l'arrière, enfin enlever la boîte en rubané et represser. Donc, logiquement, vu que l'andin, je l'ai rapproché en un seul, ça doit produire beaucoup. Je pense pas mal. Hein. Donc, tu fais 10 mètres, même pas, il s'est plein le truc. Oui, c'est ça. Donc voilà. Ah, attends, on va se remettre là. Mais normalement, ça devrait marcher l'ouvrier. Mais s'il marche pas, fait chier quoi. Ah, là il marche. Ok, bon, là il marche. Il fonctionne. On va le laisser fonctionner. Donc, moi, ce que je vais faire, on va s'occuper un petit peu de tout le matos qu'on veut se faire. On a 674 000 euros. Vous comprenez que je peux pas faire que faire les bots dans la vidéo parce que sinon ça serait vraiment trop chiant. Et même, j'ai pas envie de faire que ça tout le temps pendant 10 épisodes. Donc, alors, on va s'acheter déjà directement la moissonneuse que je comptais vous m'acheter. On va perdre beaucoup d'argent, mais c'est le but. On va s'acheter la 2080. Elle vaut 488 000 euros. On va se la prendre juste plutôt en mode. D'ailleurs, Mika, est-ce que tu préfères en roue ou chenille? Pour la 2080, la grosse de chez. Je crois que c'est une des plus grosses. Oh, chenille, c'est quand même plus stylé. Hein. C'est plus stylé, mais ça vaut 7000 ouais. balles de plus. Mais ouais, après, agréé à vie, après, on peut se faire des petits trucs sympas, c'est le même prix. Donc, alors, non, on n'est pas aux États-Unis, donc on va juste mettre le truc normal. Par contre, elle est vraiment belle, hein. J'avoue qu'elle est super belle. On va prendre celle-là, comme ça. En vrai, celle-là, comme ça. Là, on règle quoi? Il n'y a pas de numéro, parce qu'on n'est pas une entreprise. Donc, c'est parti, 495 000 euros. Moissonneuse achetée.
Aïe, c'est parti, oui. D'ailleurs, oui, non, par contre, j'ai énormément d'œufs à aller vendre. Donc, vous allez voir, les amis, on va se faire masse argent, logiquement. Donc, alors, j'ai acheté la machine. Je vais acheter la barre de coupe qui va avec. Parce qu'il faut acheter la barre de coupe qui vaut, je crois, au moins 60 000 euros. Elle vaut 65 000 euros. Là, on adore, ça fait plaisir. Et c'est quoi ça, number? Ah non, ça, c'est les numéros. On va juste mettre numéro bah, standard. Pas plus cher. On est bon. Mais écoute, du coup, j'arrive. J'ai ramené la grosse machine. Je vais lui chercher. Du coup, lui, je vais prendre le petit Fend. Fend ou Fend, je sais pas comment vous dites. Et je vais chercher la barre de coupe. Donc tu me dis, dès que t'es fini le champ, Mika, moi ce que je ferais, c'est que je ramènerai les bottes. Alors du coup, avouez que c'est joli. Mais en vrai, j'ai passé du temps, mais j'ai bien rangé les bottes. Donc c'est des bottes, il y en a 16, je crois. Ou attends, il y en a 12 ou 16, je crois qu'il y en a 12 ou 16, je sais plus quand même, bref. Par pack. Ah, il y a mon cheval. J'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai fait courir mon cheval. Je crois qu'il vaut pas hyper cher, mais il vaut un petit peu cher. Donc je pense qu'on va se le vendre. Et alors du coup, j'ai noté énormément de choses à faire dans la vidéo. On va changer de bâtiment. J'aimerais bien, on va s'acheter un transborder, mais vu l'argent qu'on a, je sais pas trop si on va réussir. Mais peut-être qu'on va changer du coup de benne, vu qu'on aura un transborder et vu qu'on aura un transporteur et potentiellement une grosse remorque pour le camion, je pense qu'on peut se permettre de revendre une remorque. Je pense, je sais pas ce que t'en penses, Mika, mais c'est juste que bah, ça sert à rien d'avoir 3 remorques énormes. Si on a un transporteur, ça fera la fin. Non, ça sert à... Donc oui. Je pense qu'on va faire ça. Après, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus dans la série. Parce que là, la série, en fait, c'était bien vraiment au début, c'était cool, je trouve. Parce que bon, c'est toujours cool, mais c'est différent, quoi. Parce qu'en fait, au début, vraiment, il y avait genre, fallait que ce soit la plus belle ferme. On mettait des nouveaux bâtiments, la ferme se crée. En fait, c'est voilà, elle se crée d'épisode en épisode. Et là, depuis quelques épisodes, elle se crée plus vraiment. Il n'y a pas de nouveaux bâtiments. Donc, moi, je me suis dit, avant qu'elle se termine, moi, j'aurais voulu que, bah, qu'on refasse un petit truc comme ça. Vous savez, qu'on donne soit un petit budget, soit. Ouais, en vrai, ce serait bien de donner un petit budget. On refait une ferme où on refait pas une ferme, on améliore une part, on agrandit la ferme et il faut essayer de faire un truc super beau. Par contre, elle est vraiment hyper grosse, hein. En vrai, elle est hyper grosse, elle est grave stylée, les amis. Donc, il me tarde vraiment. D'ailleurs, le DLC classe aussi, il me tarde vraiment. D'ailleurs, j'ai un code promo, enfin, non, j'ai pas de code promo, mais j'ai un lien vu que je suis partenaire farming. Et du coup, si vous achetez avec mon code, je récupère 60 centimes, donc c'est déjà ça. Et comme je comptais vous en offrir beaucoup, en vrai, je vous dis, j'aimerais bien vous en offrir au moins une trentaine, ça serait vraiment bien, mais après, voilà, faut voir. Bah écoute, c'est parti. Je vais amener ça du coup dans le champ, on va commencer à moissonner. Parce que du coup, alors on a le champ numéro, donc le 13 qui est pas encore mûr, que je vais devoir pulver ou pas, tout dépend si on aura le temps. Il y a le 23 bah, à moissonner, et après bah, il y a le 32. Ah bah il y a un bout du 32 à faire, et du coup là, je sais pas du tout si on se l'achète, hein, celui-là, le 31. Vous me dites oui, on se l'achète, achète-le Starview, mais je sais pas du tout parce que déjà on a plus d'argent, on pourra pas se l'acheter dans cet épisode, c'est certain. Mais celui-là on a 114 000 euros, donc c'est un peu la merde. Mais on va essayer de voir, parce qu'on a, à mon avis, tout ce qu'on va récolter là, on va se faire beaucoup d'argent. Les stocks, on a du lait à vendre aussi. D'ailleurs, alors il y aura normalement un défi de lait qui va arriver. Je sais pas si on va le faire ou non, tout dépend, mais il y aura un défi. D'ailleurs, c'est la rentrée. J'avoue, demain c'est la rentrée. Hein, les gars, oui, j'avoue que c'est chiant, mais après, voilà, c'est les vacances. Donc, c'était les vacances. Comment tu peux avoir des vacances si, enfin, voilà, vous avez compris quoi. En gros, il faut bien qu'il y ait une rentrée, sinon les vacances ça n'existerait pas. Donc, vous avez compris quoi. Donc voilà. Mais voilà, derrière de nouvelles séries qui vont arriver sur la chaîne, ça va faire très plaisir. Série mode saison, série exclusivement avec du class, ça va être vraiment sympa. Ça arrivera un peu plus tard, les amis, mais voilà, j'ai de quoi qui va arriver sur la chaîne. Il y a des bonnes vidéos qui vont arriver. Et du coup, je viens de penser qu'on a deux classes. On a une Lexion 780, je crois, et une 2080. Donc on est bien. Je pense qu'on peut se faire sponsoriser par classe là, non? Je pense que ça peut être pas mal. Attends, je vais poser ça là. T'as Néo du coup là, t'as pressé ou c'est long à presser ou t'as pas fini? Non, ça va, j'ai presque fini là. Parce que moi, bon, je vous lis clairement, hein, pour moi on sera absolument pas premier dans cet épisode, hein, ça c'est sûr. Bon, Jérémy il est vraiment loin, il a pas beaucoup bossé parce que mon Kevin n'est pas là, vous savez. Enfin, Jérémy et Kevin c'est des voisins, ils se connaissent en vrai et ils bossent énormément, ce que je peux comprendre. Donc voilà, après Kevin a bossé du coup mercredi soir, j'ai live et il a bossé je crois 1h30 hors live. Mais attends, déplie du coup la barre de coupe. Bon, voilà, je vous laisse bosser, sinon il sera vraiment à la ramasse et voilà, c'est... Je suis pas non plus en mode non, je veux gagner. Donc voilà. Allez, donc du coup, on commence le colza. Du coup, on a encore nos patates en plein milieu. Et du coup, attends, est-ce que l'intérieur, est-ce que c'est le même? Je sais pas du tout. Est-ce qu'il y a des gens, si jamais il y a des gens qui ont des 2080 chez eux, voilà, les amis, n'hésitez pas à me dire si c'est pareil. Mais je pense que l'intérieur, c'est le même. C'est l'intérieur d'une classe normale. Hein. Le mec, c'est pas fait chier. Mais d'ailleurs, il me tarde vraiment le DLC classe. D'ailleurs, Mika, oui, j'avoue, parce que en fait, Mika, on s'était pas parlé depuis. Enfin, on s'était parlé depuis quand même quelques temps, mais juste, t'étais pas venu tourner. Oui. Et du coup, il y a eu l'annonce du coup du DLC classe. Ah, d'accord, Damien a quitté.
il y a eu l'annonce du DLC Platinum. Et du coup, dis-moi un petit peu ce que t'en penses. En vrai, je sais pas si t'as vu un petit peu tout ce qu'il y a à y avoir. Ou t'as pas du tout regardé. Non, j'ai quand même suivi un petit peu l'actu farming. C'est vrai que le DLC classe, elle est vraiment intéressant. Par contre, le Platinum, je sais pas encore. Faut que je me fasse un avis. Mais le classe, en vrai, bah du coup, ouais, même Platinum, c'est classe. Donc, parce que en gros, c'est dans le DLC Platinum, il y aura du classe. Enfin, il n'y a pas de DLC classe, mais. T'as compris quoi, en gros c'est dans le Platinum, il y aura du classe. Mais j'ai hâte, hein, en vrai j'ai vraiment hâte, il vaut 19€. On a quand même pas mal de matos. Moi ce que j'aurais pensé, ça aurait été cool d'avoir une map. Mais bon après on a quand même eu énormément de maps pendant le mode contest. Donc ça peut aussi le faire. Donc là attends, là les moissonneuses sont en train de moissonner leur truc. Donc elles font leur vie je crois, à part si elle va réussir ou elle va faire quoi elle. Bon je laisse moissonner celle-là, si elle tourne elle tourne, si elle tourne pas c'est pas grave. Alors t'en es où du coup? Oh mec, oh toutes les votes. Mais attends mais mec on va gagner peut-être. Oh mec tout ce que t'as fait en 2 mètres. Mec je me rappelle. Attends bah du coup je vais aller chercher. Ah ouais mec, en vrai ça vaut le coup hein. Et il faut vraiment qu'on fasse ça, les andins faut qu'on les ramène en un seul hein. Attends du coup je vais chercher mon petit truc. Donc alors au pire est-ce que je ferais. Bon on va laisser ça là. Donc là alors j'en ai 129 plus le petit A, donc 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137. On a 138 bots alors. Du coup, on a 138 bots dans notre ferme. Attends, mec, c'est chaud. Attends, en vrai, mec, y a moyen qu'on gagne là. 138 plus tout ce que t'as fait, plus qu'on va faucher. Mais en fait, les autres aussi. Hein. Damien, à mon avis, il risque de gagner. Parce que, du coup, Damien a quitté le serveur, mais Axel a dit je reprends au pressage. Parce que du coup j'ai dit. Attends on va couper par là. J'ai dit voilà on est deux par ferme. Malheureusement Jérémy est tout seul. Mais du coup j'ai dit bon Axel peut venir mais fait tout sauf du sauf quelque chose dans le défi des bots. Parce que sinon c'est nul quoi. Oui Damien. Oui, bonjour. Oui Damien vient d'arriver sur le serveur. Bah écoute tu peux venir sur le serveur oui. Parce que du coup j'ai vu que tu as crash. Et du coup ça va niveau bot vous en avez fait un peu plus ou pas? Ah oui on a fait un peu plus oui. Et vous êtes pris de la fin ou pas? Ah, je dis pas. Parce que là, mec, nous on est proche aussi en fait. Hein. On est vraiment proche. Genre, on est à 140. Alors, du coup, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147. Là, 148, 149, 150. Ah, mec, en vrai, on est bon. 151, 152. 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160. On a 161 bots, Mika. Donc, on s'affiche. Hein. Ouais. Non, j'ai coupé. Ouais. Qu'est-ce que t'as dit? Ah, pas mal, plus que 39, hein. Oui. Ça va être chaud. Ça va être chaud, sauf que nous, on a des techniques un petit peu à nous, tu vois. C'est plus. Et d'ailleurs, le défi est terminé. Quand on a mis les bots à l'endroit, et genre. Pas genre tu les pousses ou quoi, faut quand même que ça bon rangé quoi. Ça sent vrai que c'est ouais, mort. Ouais, rangé avec le plateau de là. Oui, ouais, si t'as un plateau, oui. Oui, ouais. Genre ça fait plusieurs piles de 30. Et du coup, dès qu'on a gagné, on a gagné et puis on en parlera à la fin. Le juste. Mec, dès qu'on a gagné. Non, mais quelqu'un a gagné, je veux dire. Mais genre, vous dites juste gagner. Par contre, dites pas gagner, c'est pas gagner parce que alors là. Oui. Vous marquez gagner dans le chat juste. Mais juste dans le chat, hein. Ok. Allez, 3, 2, 1. Bon, ok, bon, du coup, alors, attends, je vais ranger un bot. Attends, qu'est-ce qu'il y a, Damien? Bon, Damien n'a pas pu rejoindre. Attends, 1, 2, 3. Voilà, du coup, attends, j'avais dit combien, Mika? 161. Ok, 3 dingo. Ok, donc, du coup, on a 161 bots, comme je vous ai dit. Mais d'accord, donc, Damien a eu un bug, il peut toujours pas rejoindre la synchro bug. Donc, au pire, c'est pas grave, comme ça, tout le monde est au pressage, il n'y a pas de personne en plus ou moins. Juste Jérémy, du coup, qui est tout seul, mais bon, après, bon, on essaiera de voir, il se rattrapera sur d'autres défis, vous inquiétez pas, les gars. Ok, bon, alors, du coup, 161 bots. Je vais ramener les bots à l'endroit pour les ranger. Alors, oui, c'est pas hyper réaliste, on porte pas en général 12 bots sur une fourche, je sais. Mais bon, c'est le défi, ça va plus vite et tout. Donc voilà, 161 bots. Attends, pour l'instant, alors le défi c'est de ramener les bots c'est pas genre presser 200 bots, hein, c'est vraiment les presser et les ranger dans la zone où c'est qu'il y a toutes les bots quoi. Donc allez, hop, vide-moi tout ça. Et après, les amis, je vous promets, il y aura plus de bots dans la série. Après le défi de bots, on verra peut-être à la saison 2. Mais pour l'instant, j'avoue qu'on des bots, on en a bouffé. On en a fait, hein, moi je vous le dis. Alors on a fait 150 bots de paille, là on va faire 200 bots non rubanés, plus les bots qu'on avait déjà de base. Je pense que le serveur là il doit être pas loin des 1000 bots, hein. Même large je pense, donc le pop ça va Mary Games, ça là. Donc voilà, ah oui d'ailleurs vous me direz en commentaire, j'ai un nouveau défi qui je pense pourrait vous plaire, ça serait, bon je coupe à travers le champ, ça c'est pas réaliste mais c'est pas grave, ça serait les amis de faire un défi d'ensilage, mais comme c'est la saison d'ensilage, est-ce qu'on fait de l'ensilage de maïs ou de l'ensilage de blé vert, vous savez le blé qui est pas un peu vert, enfin du coup c'est, oui du coup de l'ensilage de blé vert, vous me direz ça en commentaire en vrai, t'as fini Mika?
Ouais, c'est bon, j'ai et fini. Et ouais. Tu peux commencer directement après, c'est le deuxième champ. Le champ 30, on perd pas de temps. On est go et on va voir. Moi, je range les bottes là. Donc, attends, il faut que tu comptes en vrai. Tu comptes le nombre de bottes. On en a 561. Donc, du coup, bah, il faut que t'en presses 40. Présent 40 au moins, comme ça, on sera bon. T'en presses 40 et dès que t'en as pressé 40, bah, tu dis go. Et en fait, il n'y a pas de go parce qu'il faut qu'on les range. Donc, même si c'est déjà pressé, il faut qu'on aille les ranger. Mais à mon avis, eux ils vont réussir. Hein. Je le sens sûr parce qu'ils ont la grosse machine. Ils ont un endener. Ils étaient deux. Enfin, ils étaient deux. Ouais, ils sont toujours deux, mais voilà. Donc, en vrai, j'ai hâte. Et du coup, donc, on a aussi ce petit champ de colza à moissonner. D'ailleurs, il faut qu'on aille moissonner tout ça. Là, je n'ai pas oublié. Bon, on va ramener ça du coup. Et en tout cas, j'espère. En vrai, là par contre, en vrai, il y a vraiment de. Parce qu'en plus, dans le live de mercredi, vous étiez tous en mode. Mais du coup, qui a gagné? Et en fait, ben, on sait toujours pas, donc on va voir qui va gagner. Mais j'ai peur en vrai. Et dans le chat, mettez. Enfin, dans les commentaires, mettez qui vous pensez. Et après, genre, on verra du coup. Mais changez pas votre commentaire. Mettez qui va gagner. Et après, on verra du coup si vous avez raison ou non. Mais en vrai, moi, je pense que c'est plutôt Axel. Je sais pas ce que t'en penses, Mika. Enfin, la femme d'Axel, je parle. Parce qu'ils sont beaucoup plus chauds et déjà de base. En fait, nous, c'est que malheureusement, enfin, nous, je fais une vidéo donc je peux pas. Pendant la vidéo, je vais pas faire que ça. Bon, là, je fais que ça parce qu'il faut vraiment qu'on gagne quoi. Mais je peux pas faire que ça pendant une demi-heure, c'est chiant. Donc, bon, voilà, vous avez compris. Ok, bon, les amis, voilà. Axel vient de dire qu'ils viennent de gagner. Nous, on doit être aux alentours de 170, 180 bots maximum. Donc voilà, ils ont gagné, et bien voilà, bon, on est deuxième, c'est pas grave. Bon écoutez, ce qu'on va faire, du coup j'ai coupé la vidéo, mais voilà, on a un petit peu fauché, j'ai essayé de tout faucher dans la vidéo. Donc après c'était juste à Mika de jouer, et puis d'essayer de presser le plus rapidement possible. Mais voilà, bon bah écoutez, GG à eux, et donc en gros, à mon avis on sera deuxième, parce que Jérémy est plutôt assez loin, donc on va gagner du coup 100 animaux, on sait pas encore, mais si jamais on gagnera 100 animaux, donc logiquement, avec le prochain défi qui va arriver, qui va être sûrement de faire 100 000 de lait, si on a 100 vaches en plus, bah ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà, bon bah du coup cette machine on l'aura pas loué longtemps, mais on nous a quand même servi un petit peu. Bah du coup moi je vais arrêter de faucher, vu que là j'ai terminé. Je vais la laisser ici. Et bah sinon qu'on la délouera direct après. Donc bah voilà, je vais quand même leur écrire GG, parce que GG à eux. Et bien du coup, alors ce que je vais faire les amis, on va reprendre un petit peu du coup l'agricole, vu qu'on n'a pas gagné. Mais on avait fait, et t'imagines toutes les bottes qu'on a fait. Par contre, les amis, les bottes, on peut les vendre. Donc ça, les amis, les bottes, on va les vendre et on va être milliardaire. Je vous le dis, ça va être sûr. C'est clair, ça. Alors, je vais juste remettre celle-là. Bah du coup, tu peux finir de presser si tu veux presser. Sinon, on pourra finir. Oh, ouais, vaut mieux que tu fasses autre chose. On presser, on finira ça plus tard au pire. Parce que bon, Jérémy fera jamais 100 bottes en 10 minutes quoi. Donc je pense que tu peux faire, c'est que déjà tu peux. Bah du coup, non, finis de moissonner. Moi, ce que je vais faire, je vais aller vendre. Alors, on va vendre déjà. On va se remonter niveau thune. Tout ça de poule à vendre, les amis. Il y a tout ça en carton de poule. Donc je vais juste acheter un tracteur qui va vite. Et ensuite on va s'acheter notre plus gros tracteur. Je pense qu'on aura de la série. Je pense que ça sera le plus gros. On n'aura pas de plus gros. Peut-être vers la fin vraiment, si on essaie de faire les foufous. On aura peut-être beaucoup d'argent. En vrai, on a que 114 000 euros. Et c'est la fin de la série. En gros, enfin, on approche de la fin de la série. À chaque fois je dis ça, mais je sais pas quand c'est que ça sera la fin. Mais en vrai, en général, à la fin des séries, t'es milliardaire. Mais nous, non. On a plus... Justement, à la fin des séries, on est encore plus pauvre qu'au début. Mais bon, c'est pas grave. Alors je vais aller vendre. Je vais aller le réparer. Justement, je vais aller passer un coup à la pompe et un coup de réparation. Et je pense qu'on va vendre. Je pense qu'on va le faire. Je pense que Zéro serait d'accord. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce qu'on vendrait pas une benne, n'importe laquelle, et à la place, on achète un transporteur? Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je sais pas si c'est une connerie ou pas, mais vu qu'on commence à avoir des gros champs, je pense que le transporteur c'est mieux. Enfin, j'en sais rien, ça prend plus et tout. Donc je sais pas vraiment, mais je pense que c'est une bonne idée. Et puis même si on sera les seuls à avoir des transbordeurs, et ça commence à faire, voilà quoi. On a un camion, donc moi je dis, si on a un camion, faudra aussi qu'on s'achète, les amis, une grosse benne en fait, pour faire les allers-retours au silo. Ça pourrait être sympa. En vrai, je pense que ça peut être bien. Après, je sais pas du tout combien ça vaut une benne. Hein. J'en sais rien, mais ça doit coûter, je pense, quand même pas mal cher. Parce que là, du coup, les bennes qu'on met sur les camions. Alors, on a quoi? On a. Là, on n'a pas grand chose. En mode, on n'a rien. On a que celle de base. Donc, on a du 74 000, 78 000 et 80 000. Ok. Ouais, 70. En gros, à mon avis, on s'achètera celle-là. Vaut 74 000 euros. Et elle fait combien? Elle fait 56 000. Ok, ouais, 56 000, ça commence à. Ah oui. Elle est pas mal. Tu fais quoi, du coup, Mika? Là, je vide la benne de soja qui a été moissonnée là. Ouais, et puis il faut que je passe le pulvé dans le 13. Ouais, passe le pulvé. Il y a 4 bots qui sont partis sous la map, ou je sais pas où, comment on fait.
Je sais pas comment on fait, y'a plus de bots quoi. Bah j'en sais rien. Ouais, en vrai, les bots qui passent ouais, en fait, on a fait tellement de bots que je crois que le serveur il a pas trop aimé. Mais bon, c'est pas grave. Allez, go. Donc, alors, moi je vais aller vendre mes palettes de. En vrai, c'est plus calme là. On a pas encore terminé le défi, mais c'est quand même plus calme. On est moins en stress parce que du coup, en vrai, ça me soulage quand même qu'ils ont gagné, tu vois, parce que c'était quand même le gros stress. Mais en vrai, c'est. En vrai, je suis quand même content, tu vois. En vrai, on aurait pu gagner. Alors, déjà, en fait, y a deux choses à faire. Là, avant qu'on se termine, il faut déjà qu'on s'achète un semoir. Il faut qu'on gagne le tracteur. Alors, il y a un gros. Alors, à la base, on devait s'acheter, ceux qui avaient suivi les épisodes avant, on devait avoir gagné du coup le Casse Puma. Je sais plus lequel c'était, c'était un tracteur en mode qui était vraiment super beau. C'était celui-là. C'était le Casse Puma Optum qu'on devait se le prendre en bleu. Voilà, en truc qui reflète. C'était super beau. On devait se le prendre en 300 chevaux. Enfin, on devrait se le gagner. Mais au final, je me suis dit, les amis, autant qu'on gagne un tracteur qui vaut beaucoup plus cher. Donc, moi, je me suis dit, vous avez proposé dans les commentaires, donc soit de gagner le 8400R, donc voilà, en mode 8400R qui fait 450 chevaux, ou alors gagner un JD à chenille ou même d'autres, mais je trouve qu'à chenille ça fait pas, enfin ça fait bizarre par ici. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Mika, mais la map n'est pas adaptée pour les tracteurs à chenille, enfin, des gros JD. Non. Donc, je pense qu'on verra peut-être si jamais on fait une autre saison avec une map un peu plus. Bah, là, c'est trop franc, enfin, c'est trop français, c'est trop bref, ça va pas. Donc, et en plus, celui-là, en plus puissant, il fait que 394 chevaux. Donc, Mika, tu vas devoir me virer de la ferme secours. Donc, la ferme secours, c'est l'argent qu'on gagne en gros. Donc, ça, c'est un truc qu'on a gagné avec le défi du coup des. Un défi d'avant, des betteraves, je crois. Ou des patates. Donc, alors, tu vas devoir me virer. Déjà, attends, on se prend un bon tracteur, on va se le prendre en roue standard ou large. En roue standard, les pneus, on se prend du Michelin. Et du coup, tu dois me virer 384 000 euros. Et on a 85 000 euros d'options. Donc, quoi, ouais, tout va bien. Du coup, ouais, 384 000 euros, Mika. Tu m'envoies tout ça, comme ça je l'achète. Et on va pouvoir, du coup, avoir un peu plus d'argent. Et enfin, avoir ce tracteur qui est plutôt pas mal. Ah, ça fait plaisir. Et du coup, je vais aller l'acheter. Je vais aller acheter ça. Et attends, bon, on va essayer de pas cabaner. Oula, là, calme-toi. Donc moi je vais aller vendre mes cartons de poule, les amis. On se retrouve quand on est parce que du coup du coup on se retrouve quand je l'ai vendu. Ok les amis, donc du coup c'est bon, on arrive du coup pour aller vendre les œufs. Alors du coup il fallait aller ici, c'est au moyen de la garde. Oh, il y a un tracteur qui est pas à nous. Oh, mais ils veulent vendre du lait, à mon avis ils sont partis pour vendre du lait. Donc là les amis, le prix vaut 4000 euros, c'est le plus cher de tout. Donc là on a mec, what on a gagné combien? Mec, on a fait gagner, attends, je rêve ou quoi? On a gagné 93 000 euros d'œufs, hein. On a gagné 93 000 euros d'œufs. C'est pas possible. Mec, attends, mais c'est pas possible. C'est énorme. Mec, go faire des œufs. Mais attends, c'est que ça rapporte tellement, mec, les œufs. Je pensais pas que ça rapporte autant. Hein. Même si on en avait beaucoup. Après, en fait, ce qui est bien, c'est que ça. Merde. Ce qui rapporte plus, c'est que ce soit dans les caisses. On peut en mettre beaucoup plus dedans. Donc, du coup, pour livrer, c'est beaucoup plus facile. Hein. Tu vas en livrer beaucoup plus. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et du coup, on est pas mal. C'est pas beau. Ça, je suis content. Donc, les œufs, ça rapporte énormément. Donc alors ce qu'on va faire, c'est que je vais aller au concessionnaire, je vais aller poser du coup le tracteur et le plateau. Je vais du coup récupérer le nouveau tracteur qu'on va s'acheter, donc le 8400R. Avec ça on va s'acheter un semoir vu qu'on commence à avoir un peu de... Ah, là mec, en vrai on a de l'argent, je suis content. On est pas mal niveau argent, comme à mon avis on va pouvoir s'acheter un petit peu tout ce qu'on veut dans la vidéo. Je pensais que c'était un peu ric-rac, mais ça doit aller. D'ailleurs niveau lait, je vais regarder le lait où c'est qu'on en est. Et plus le cheval qu'il va falloir aller vendre, qui vaut, bon, il vaut 4600. Mais ce sera déjà ça. Juste avant le lait, on a beaucoup de lait ou pas? On a, attends, je vais regarder. On a 42 000. Oh, on a 42 000 de lait. À mon avis, les amis, le lait, on va le garder. On va le garder en stock parce que si, à mon avis, on fera le défi de lait dans un ou deux épisodes. Donc, on va garder le lait en stock parce que si on a 100 000 de lait à vendre, en vrai, ça va si on a 42 000. On a quand même fait, on a fait presque la moitié, on a rien fait, donc voilà, tout va bien. Ou alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait. Ah, vous me direz en commentaire, est-ce qu'on fait le défi de lait, mais on doit avoir toutes les cuves à zéro? Ou alors on peut avoir du stock avant. Ah, vous me direz en commentaire. En vrai, j'ai hâte de voir parce que ça dépend. En vrai, si on a toutes les cuves à zéro, ça va être plus sportif. Il va falloir donner à manger et tout. Et ça fera un petit peu, pas plus réaliste, mais ça sera sympa de faire ça. Donc voilà. Allez, c'est parti. Du coup, on s'achète le tracteur, les amis. En vrai, je suis trop content. Hein. Nouveau tracteur et tout. Donc alors, je reprends bien le 8000. Ah, c'est pas celui-là. C'est le 8400. On va pas acheter l'autre. Le 8R. Donc on prend le 8400. On se met en Michelin. Et c'était bien ça, 85 000. Donc c'est parti. Acheter. 384 000 euros. Voilà, on est bon, on a acheté le tracteur. Maintenant je vais acheter, je pense, le semoir, le plus gros semoir du jeu que je comptais m'acheter. Ou alors un transborder. Alors soit on s'achète un transborder du genre, alors pas celui-là parce qu'il est beaucoup trop gros, hein, ça sert à rien, mais celui-là il fait 37 000. Et je pense que ça peut être sympa d'avoir un transborder. Donc soit, alors vous me direz en commentaire, soit on prend un transborder, soit on s'achète, en tout cas on va s'acheter les deux, mais qu'est-ce qu'on prend en premier? Ou alors on prend, c'est lequel? C'est dans semoir, je vous l'avais montré en plus, hein. Tu c'est dans planteuse, pardon. C'est dans planteuse et c'est celui en mode qui sème quand même du blé. Et il vaut 100 000 euros quand même. Donc on va se l'acheter. Je
pense qu'on va se l'acheter. Soit remorque, soit 3 points. Ah, je sais pas. On se le prend en 3 points ou en remorque? Bah, j'aurais dit en remorque parce que c'est mieux, ça c'est plus maintenant. Donc bah écoutez, c'est parti. 102 000 euros achetés. Yes. Allez, on a plus d'argent. Magnifique. Bah du coup, bah, j'ai acheté mon... Au final, j'irai... Bah du coup, on a acheté un ensemble tout vert. Le semoir est vert. Ça c'est vert. Bah écoutez, on est bon. Et on fait quand même pas mal d'achats, je trouve. Là, on se fait trop plaisir, je crois, les amis. Mais bon. En vrai, tout dépend. Parce que si on gagne ça en animaux gratuits, ça va être bien. Ça va vraiment être bien. Donc là, du coup, le semoir est acheté. On est bon. On aurait pu peut-être acheter une masse à l'avant du John Deere. Ouais, bon, il est neuf pour l'instant. On va le garder comme ça. On va être bon. Deux gyros, GPS et tout. Ah, il est tout neuf. En vrai, je suis content. Hein. Nouveau tracteur tout neuf. Regarde ça. Je sais pas, t'es où, Mika, là? Tu fais quoi? Ah, t'es en train de pulver? Là, j'ai fini le 13. C'est bon, il est fini. Ok, ben si t'as fini le 13, ben, tu peux recommencer les moissons. Et voilà, je pense que c'est bientôt terminé en plus. Du coup, on commence à avoir pas mal de champs. Là, à mon avis, on commence à avoir en plus énormément de stocks à vendre. Donc là, on va s'arrêter bientôt parce que je pense qu'on doit être facile aux 30 minutes de vidéo. Donc le semoir, je vais garer ça à l'abri. On ira le tester du coup dans le prochain épisode. Je vais juste aller vendre mon cheval vraiment avant de terminer. Et je comptais dans la vidéo, à la base, on devait vendre un bâtiment. Mais on devait vendre ce petit bâtiment là et même l'enclos à cheval et tout. À chevaux, pardon. Donc on verra ça pour le prochain épisode, les amis. Je vais juste vendre mon cheval. Bon, on aura eu 600 000 euros. On aura eu 100 000 euros. Voilà, on a perdu tellement beaucoup d'argent un peu là. En vrai, les 600 000 euros, on les a vus avec l'argent de la femme secours. Donc c'était pas notre vrai argent non plus. Là, le tracteur, c'est un truc de gagné. Donc voilà, on en prend soin surtout. Attends, est-ce qu'on est bon là? On va essayer de pas casser la faucheuse. Ah bah trop tard, elle est cassée. Voilà, bon, on va garer ça à l'abri, les amis. Je vais aller vendre mon petit cheval. Alors attends, je vais juste le ramener avant et le laver. Parce que des fois, quand tu le laves, il vaut un peu plus cher. Donc, oui. Alors, si vous savez le nombre de tours que j'ai fait de la map, je me suis mis à un endroit, j'ai appuyé sur régulateur, j'ai fait 10 tours de map. Voilà. Je suis pas fait chier, j'ai pas passé au casse-couille. Ça fait 15 épisodes qu'on a le cheval et le pauvre il doit s'ennuyer. Donc voilà, le petit cheval là, il fait plaisir. D'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, petite pub que je vous passe. Mais d'ailleurs, on est bientôt 15 000, c'est fou. Hein. Merci à ceux qui s'abonnent. Je pense qu'on aura même dépassé les 15 000 quand on y sera. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait très plaisir. On est très, très nombreux. Et puis, même des fois, je vous fais des petits lives et c'est vraiment sympa. Donc voilà, petit instant promo. Et voilà, du coup, là, on va être tout vide. On va juste passer un petit coup de karcher. Un karcher, vous avez compris. Attends, comment ça marche? Monter, nettoyer. Alors, nettoie. Hop, 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 hop. Et maintenant, du coup, est-ce qu'il vaut plus cher? Soit il vaut plus cher. 5100 euros, on le vend, les amis. Il faut juste se mettre là, je crois. Voilà, c'est celui-là. 5100 euros. On fait déplacer. Et bon, du coup, on va enlever 4800 vu qu'il y a les frais de déplacement. Et voilà, on est bon. 5178 euros. Bon, voilà, du coup, voilà. Cet endroit est vide. On verra, du coup, à mon avis, on va le dégager, cet endroit. Et tout simplement, voilà, balou. Bon, les amis, du coup, on va s'arrêter. On va aller voir un petit peu les fermes des autres. Donc, on n'a pas réussi l'effet des 100 bots. On va voir un petit peu où est Jérémy. Parce que si Jérémy est pas loin, il faut vraiment qu'on se grouille. Donc, on verra bien. Donc, voilà. Ouais. Ok, donc, les amis, on est du coup dans le pré de Jérémy. Donc, Jérémy, à ce qui paraît, t'as fait que ça dans toute ta vidéo. T'as fait que d'enrubanage. Voilà, j'ai fait que du pressage de ouais. Tout le long de l'épisode. Et du coup, t'en as où niveau bot? Parce que tu sais à peu près. T'as pas gagné, ça c'est sûr, ouais. Mais du coup t'en es où? Non, ça c'est sûr qu'on a perdu, mais là je pense avoir fait environ. Non, t'as pas perdu parce que nous on a encore loin. On s'est arrêté dès que Axel a dit qu'il avait gagné. Donc t'en es à peu près à, je sais pas, 100, 150 ou pas du tout? Ouais, si dans ces eaux là, ouais. Ok, d'accord. Bon, ça veut dire qu'en gros il faut qu'on se grouille de presser dans le prochain épisode. Ok, bah écoute, parfait. T'as rien fait d'autre, t'as fait que ça en fait, t'as pas fait d'affaires, rien. J'ai fait que du pressage de tout l'épisode. Ok, en ce moment, tu vois, les 4 derniers épisodes, personne n'a acheté rien du tout, il a juste toujours que pressé. Ok, bah parfait, on va aller voir un petit peu du coup la ferme des gagnants, vu que bah bon, ils ont gagné donc voilà. Ok, donc les amis, on est du coup dans la ferme des gagnants. Et oui, les amis, donc du coup, qu'est-ce que vous avez fait du coup à LSC? Donc du coup, Damien a été déconnecté du serveur, mais du coup, Damien, LSC et Axel. Ouais, bah dans cet épisode, bon, on a terminé le défi des bots. Ouais, ok. On a 200 tout pile. Ok, ouais. Bon, il faudra que j'aille compter tout ça, mais d'accord, ouais. Ouais. Après, on a fait de la moisson, comme tu peux voir, la moisson de Koza, ouais. La moisson de Wayne, ouais, et tout ça. On a acheté un nouveau tracteur. Ouais, le JCB, bah, du coup. Ouais, bah, comme Jérémy, en fait, c'est le même. Non, celui-là, c'est un 8330. C'est le plus lui, il est mieux. Ah, nous, on est... lui, il est plus puissant. Ok, ouais. Non, ouais, d'accord. Et après, on a acheté une Mopu 3DC en 3ème benne. Ok, une benne Mopu, d'accord. Et après, on a acheté la grosse faucheuse automotrice. Oula, putain, Axel, il me fait parler. Ok, d'accord. Vous l'avez acheté, la faucheuse? Ouais, bah, viens voir la femme des vaches. Bah, j'arrive, vous allez voir ça. Ah, ouais, pourquoi vous l'avez pas louée? Elle est pas là. Va à l'autre ferme. Et pourquoi vous l'avez pas louée?
Bah, parce qu'on veut l'acheter pour faire les vaches. D'accord. Bah oui, d'ailleurs, prochain défi potentiellement, 100 000 litres de lait, on fera des vaches. Ouais, voilà, là, elle est là. Ok, d'accord. Ok. D'accord, ça marche. Bah écoutez, on va aller voir un petit peu ma ferme, voir, parce qu'on a fait pas mal de choses dans la vidéo, donc on va aller voir un petit peu ce que j'ai fait. D'accord. Bon, les amis, du coup, on est dans ma ferme. Alors, donc, comme vous avez, on n'a pas réussi le défi des bottes. On doit vraiment être pas loin, enfin, qu'on termine de faucher, enfin, de presser ça dans le prochain épisode. Alors, ce qu'on a fait, on s'est acheté une 2080. Donc, voilà, en tout, on en a eu pour plus de 450 000, voire 500 000 euros. Donc en plus on l'a pris en chenille, donc voilà, donc 500 000 euros en gros de machine, donc en vrai elle est pas mal du tout, donc voilà, on a acheté ça. Donc on a acheté la 2080, on s'est acheté, bah venez juste derrière, enfin alors avec le défi du coup des patates, on avait gagné un tracteur, donc on s'est acheté du coup le 8400R, donc c'est celui-là, vous venez derrière. Ah oui. Donc le 8400R plus, donc, alors ça c'est le tracteur gagné, et derrière on s'est acheté du coup le semoir. Donc ce mort qui fait un petit peu de tout, donc voilà, c'est un plus gros ce mort. Je voulais pas prendre le plus gros du jeu parce que ça sert à rien. Donc voilà, on s'est acheté lui, donc lui on se l'a acheté, et ensuite on a vendu des œufs. Mec, on a gagné presque 100 000 euros en vendant un plateau d'œufs, hein. J'ai pas compris. Ça va, ouais. Mec, en vrai le prix c'était 4 000 euros et le plateau il y avait plein de palettes, et bon bref, j'ai pas compris, mais bref, voilà. Vous avez combien de ce mort, vous? On commence à avoir une bonne collection de ce mort. Alors, on va se le vendre. On va se les vendre parce qu'en vrai on a donc lui on verra si on le vend, mais on va peut-être le garder. Lui, ça fait 10 épisodes qu'on s'en sert pas, et lui fait du maïs, donc on le garde. Donc voilà, bref, du coup voilà ce qu'on a fait dans la vidéo, et voilà. Et du coup aussi les amis, prochain défi qui va potentiellement arriver, vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous préféreriez qu'on fasse. Donc soit en silage de blé immature, soit en silage d'herbe, ou alors en silage de maïs tout simplement. Donc voilà, merci du coup d'avoir suivi cette vidéo, je compte sur vous pour dire en commentaire tout ça. C'est Starvio et toute la team, à la prochaine, allez, ciao tout le monde. Ciao tout le monde.